Madame Rivasi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire, d'être là, parce qu'on a quand même beaucoup de soucis. On est en 2017, et rappelez-vous, en 2014, on avait toujours ce problème de perturbateurs endocriniens, et on n'a pas avancé d'un iota. Alors, c'est sûr que les États membres bloquent, vous n'avez pas la majorité qualifiée, mais il y a les propositions de la Commission aussi qui bloquent le système. Sur le glyphosate. Alors là, je voudrais qu'on avance, et là, vous avez un rôle à jouer. On ne peut pas accepter qu'une agence d'autre donne un avis s'il n'y a pas la publication de toutes les études. Open access. Vous savez que la Commission, dans le cadre de la nouvelle directive sur copyright, demande l'open access sur les sciences. Et que là, vous avez un rôle à jouer en disant à l'agence, à l'EFSA, si on ne peut pas publier les études, on n'en tient pas compte. Et ça permettrait justement d'obliger les études financées par les multinationales de les publier. Troisième chose, moi je voulais vous interpeller sur les nanoparticules dans l'alimentation. Vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Comment se fait-il que des ONG aient trouvé des nanoparticules de dioxine de titane dans des blanquettes de veau, dans des chewing-gums, dans des bonbons, etc., alors que l'information du consommateur et on a un règlement 1169 qui oblige à l'étiquetage et que ce n'est absolument pas étiqueté. Donc là, je vous demande au niveau de la Commission d'intervenir au niveau des États membres pour que l'étiquetage soit obligatoire. Et en même temps, à quoi ça sert pour avoir des bonbons bien luisants de mettre de dioxine de titane alors qu'il y a des études qui montrent que ça a des effets au niveau des intestins. Donc je pense que ça aussi, c'est un problème de santé. Et dernière chose qui touche les femmes. Il y a eu un scandale en France sur les tampons pour les femmes lorsqu'elles ont leurs règles. On s'est aperçu que dans ces tampons, on trouve des pesticides, de la dioxine, etc. Merci, et quand j'ai demandé à la Commission, on me dit ils ne sont pas obligés, les industriels ne sont pas obligés de mettre les ingrédients parce que c'est un produit de consommation classique. Merci. Donc je demande à ce que vous interveniez là-dessus. You have